De la sécurité au Mali, il en a été question entre les acteurs impliqués dans le secteur. Réunis dans un forum, ils préconisent de répertorier les armes légères en circulation dans le pays et d'appliquer les conventions de la CEDEAO y référant pour mettre fin au trafic et mieux protéger les populations. Le ministre de l'Éducation prend son bâton de pèlerin pour aller au plus près des autorités scolaires du pays pour véhiculer l'information sur la moralisation des examens. En effet, pour Togola Jacqueline Marinana, il est plus que temps de redonner au système éducatif malien toutes ses qualités d'antan. La crise qui secoue le monde de l'hippisme malien a plus que duré, c'est le sentiment du ministre des Sports. Pour y mettre fin, Ousseni Amiangindo a décidé de dissoudre toutes les instances de discipline. Un comité transitoire sera donc chargé de diriger les activités jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi 10 mai, je vous souhaite la bienvenue dans ce 20h. Le Premier ministre Moussa Mara a regagné Bamako aujourd'hui en fin d'après-midi. Il était à Abuja, au Nigeria, où il a pris part au 24e Forum économique mondial sur l'Afrique. La participation du Mali à ce rendez-vous, Moussa Mara la qualifie de positive et d'honorable. Elle aura permis au chef du gouvernement d'évoquer lors de ces rencontres bilatérales des projets vitaux pour le Mali, notamment avec le projet de route de voie Bamako-Ségou, le projet d'oléoduc entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Écoutons le Premier ministre Moussa Mara. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Tiessera Dembélé et Idrissa Traoré. Nous sommes arrivés dans un contexte qui a mis en lumière ce pays frère et d'une manière qui n'est pas réjouissante. Le terrorisme dont nous avons souffert dans notre pays, ne doit pas passer. Et pour ce faire, l'ensemble de la communauté internationale, l'ensemble du continent africain, doit se donner la main pour que le terrorisme soit combattu. Et que tous les arguments qui peuvent être utilisés par les terroristes, que ces arguments leur soient enlevés. Nous avons également, en marge des travaux, rencontré le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi parlé de l'oléoduc Abidjan Mali qui a commencé à se déployer vers le nord de la Côte d'Ivoire. Cet oléoduc par lequel transiteraient les hydrocarbures diminuera dans une grande proportion le coût d'acheminement des hydrocarbures pour notre pays. Nous avons formulé le souhait, puisque le Forum économique mondial se délocalise de plus en plus sur le continent, à accueillir le sommet en 2018. Et nous allons, en rapport avec les organisateurs et la fondation qui organise le forum, mettre en œuvre les jalons qu'il faut pour pouvoir accueillir cet événement mondial. Nous avons eu la possibilité de présenter à la partie chinoise un certain nombre de projets en cours. Nous avons la voie 2x2 voies de Ségou dans sa seconde phase. Nous avons l'échangeur entre la connexion du troisième pont et la route de Ségou. Nous avons aussi les ouvrages hydroélectriques de Taoussa et de Gouina, pour lesquels la Chine nous accompagne. Et nous avons le projet Nsukala, qui a besoin d'être relancé. Et le Premier ministre a donné des indications pour que ces financements puissent être acheminés rapidement. Nous avons aussi et surtout échangé sur une perspective intéressante, notamment la liaison par chemin de fer entre Bamako et Conakry, en passant par Kita, et au passage avec la possibilité de l'exploitation du gisement de fer du cercle de Kita autour de Sagabari vers la frontière guinéenne. La partie chinoise est intéressée. Des études vont sans doute être menées dans les jours à venir pour que nous puissions voir si ce gisement est exploitable. Le 24e Forum économique mondial sur l'Afrique a donc pris fin hier vendredi. Un rendez-vous qui s'est penché sur les aspects de croissance, de stabilité et de prospérité du continent africain. Après les travaux, Moussa Mara a répondu aux sollicitations de certains participants au Forum. C'est ainsi qu'il a reçu en audience les représentants d'institutions financières et le président de l'Assemblée nationale d'Algérie. Le compte-rendu des audiences avec nos envoyés spéciaux Tiessera Dembélé et Idrissa Traoré. Première personnalité reçue par le Premier ministre malien, le président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie,
Mohamed Larabi Ould Khalifa était venu parler avec Moussa Mara de questions d'actualité. Il n'y a qu'un seul pays solidaire, l'Algérie, Mali, surtout dans des époques difficiles, le Mali trouvera certainement l'Algérie à ses côtés. Oh, la stabilité, la sécurité du Mali est de notre stabilité, de notre sécurité. Les relations sont anciennes. Ils vont continuer davantage, s'approfondir davantage. Et toutes mes salutations au peuple et aux responsables, dirigeants de, et surtout M. le Président de la République. Les institutions de finance étaient nombreuses au Forum économique mondial d'Abuja. Parmi celles-ci, la Société financière internationale, filière de la Banque mondiale. Le président de cette société a été reçu par le Premier ministre malien pour parler de projets pour le Mali. I'm very happy to have the chance to meet a Mr. Prime Minister. Une équipe de la SFI se rendra à Bamako la semaine prochaine pour parler des projets prioritaires du Mali, mais des priorités du Mali notamment en termes d'amélioration du climat des affaires, en termes de développement des infrastructures énergétiques, mais également le développement de l'agriculture. Vers le Mali, d'abord en vous donnant toutes les informations appropriées sur ce à quoi vous avez droit, sur ce qu'il faut respecter. Et on vous demande en contrepartie de ne pas prêter le flanc à la corruption. Quand vous êtes en règle, il faut refuser de corrompre. Il faut être sur vos droits. Et nous allons laisser des contacts pour que, en cas de difficulté à tous les niveaux, vous puissiez joindre directement les autorités à Bamako. On va se donner la main pour aussi faire en sorte que la route vers Bamako, vers nos villes, à partir de l'extérieur, soit débarrassée de toutes les tracasseries inutiles. On va faire le maximum dans ce sens-là. Et nous vous demandons en retour de continuer à travailler pour aider le pays. Ceux qui ont des projets, essayez de les réaliser au Mali. Les différents départements ministériels seront informés et des démarches sont envisagées pour expliquer aux Maliens de l'extérieur les formalités à remplir pour éviter les problèmes. Cette démarche sera utile non seulement pour les commerçants, mais aussi pour les opérateurs économiques maliens et nigériens, de même que pour ceux qui vont en vacances au Mali. Signalons que l'ambassade du Mali a enregistré 10 420 Maliens au Nigeria. Je rappelle que le Premier ministre est rentré à Bamako cet après-midi. Les acteurs impliqués dans la gouvernance de la sécurité au Mali ont échangé leurs expériences sur la gestion de la sécurité au cours d'un forum. Pour bien remplir leur mission, ils recommandent l'inventaire des armes légères en circulation dans le pays, ainsi que l'application de la convention de la CEDEAO sur la circulation des armes légères. La clôture du forum a eu lieu en présence du ministre de la décentralisation et de la ville, Ousmane Sy. Reportage de Mamari Kone. À la lumière des débats autour des quatre thématiques, les participants à ce forum multi-acteurs sur la gouvernance de la sécurité sont parvenus à la nécessité de la synergie d'action à tous les niveaux. Ils ont ainsi recommandé l'inventaire des armes en circulation dans les villes et campagnes, l'application de la convention de la CEDEAO sur la circulation des armes légères. Il a été constaté que les armes prolifèrent réellement, mais il faut qu'il y ait une intensification dans la lutte. Il a été dit aussi que le Mali seul ne pourra pas faire la lutte. Il faut que la sous-région soit impliquée et que les communautés à la base soient fortement impliquées. Les préoccupations et recommandations formulées lors de ce forum seront prises en compte dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Mieux, elle devrait aider le commissariat au développement institutionnel. Nous avons pu voir quelles sont les attentes, n'est-ce pas, de nos compatriotes pour les questions de sécurité. Et les attentes en question doivent être traduites en action, n'est-ce pas, par le ministère de la Sécurité. Le CDI est le lieu où toutes les grandes réformes institutionnelles indispensables au bon fonctionnement de l'État et des autres institutions sont pensées. Je crois que toutes les idées que nous discutons ici, ça sert aussi à alimenter les réflexions de l'équipe du CDI. À noter que le forum était placé sous le parrainage du commissariat au développement institutionnel avec l'appui du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Mali. Il a bénéficié du soutien de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique.
Les parlementaires sont à l'école de la gouvernance démocratique par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. La session de formation est une initiative de l'Institut national démocratique NDI pour justement les appuyer dans la communication directe et interactive avec les citoyens. Moussa Fani. Le Parlement est l'un des piliers de la démocratie. Un accent particulier doit donc être mis sur sa stratégie de communication. C'est pourquoi l'Institut national démocratique, NDI, vient d'initier une session de formation à l'intention des députés autour de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC appliquées au fonctionnement de l'institution parlementaire. La formation vise aussi la maîtrise des fonctions législatives par les représentants de la nation à l'hémicycle. L'ère numérique actuelle a radicalement changé le contexte de l'usage public de l'information parlementaire et les attentes des citoyens en matière de bonne gouvernance. Les technologies émergentes que cela implique ou que cela qu'elle offre révèlent un énorme potentiel d'analyse. L'emploi du potentiel des technologies de l'information et de la communication TIC devra permettre aux parlementaires d'ouvrir de nouvelles opportunités dans l'univers numérique. C'est là pour le renforcement de la bonne gouvernance. Il nous faut franchir le pas, sortir de notre microcosme pour savoir communiquer avec la population, avec nos mandants sur ce que nous faisons chez nous ici dans notre grande maison. Nous devons expliquer et réexpliquer encore le rôle des députés, le sens de la loi à nos mandats. La session qui dure 2 jours regroupe les députés de l'Assemblée nationale et les membres de la direction de la communication et de l'information de l'institution. Restons avec nos députés. L'Assemblée nationale s'apprête à voter dans les jours à venir un projet de loi portant sur la prévention et la répression de l'enrichissement illicite. Pour bien préparer cette plénière, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice et des institutions de la République a organisé une séance de travail ce matin avec les personnes ressources. Pour plus d'informations sur cette rencontre, écoutons le président de la dite commission au micro de Daouda Sidiki Diara. Les séances de travail font partie du fonctionnement normal de l'Assemblée nationale. Une fois que l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de texte, à l'issue de la conférence des présidents, le président de l'Assemblée transmet ce projet de texte à la commission technique chargée d'étudier ce projet de texte. Donc nous avons constaté que les gens ne voient que les plénières de l'Assemblée. Mais avant les plénières, il y a un travail de fond qui se déroule au niveau des commissions techniques. Par exemple, au niveau de la commission de loi, toutes les grandes lois passent par là. Donc, avant d'arriver à la plénière, nous identifions une liste de personnes et ressources, de structures, suivant les domaines d'intervention. Nous faisons un calendrier, nous élaborons des questionnaires que nous envoyons à ces personnes et ressources. Et aux dates indiquées, ces personnes et ressources répondent aux invitations de la commission. Nous avons reçu le syndicat autonome de la magistrature, les ordres professionnels, avocats, huissiers, autres. Hier, par exemple, c'était le procureur chargé du pôle économique, c'était la direction générale des marchés publics, c'est de suite, et ça va continuer. Les personnes que vous venez de rencontrer, est-ce que ces personnes ont des soucis par rapport au projet de loi? Il y a des soucis qui ont été exprimés par-ci, par-là, et nous cherchons à savoir, en tant que représentants du peuple, nous examinons ces soucis, nous demandons des techniciens de droit, est-ce que c'est conforme, est-ce que ça va dans l'intérêt du peuple? Et les soucis principaux, c'est surtout par rapport à la catégorie de personnes assujetties à la déclaration de leurs biens. Il y a toute une liste. Les gens, certains estiment que la liste est assez longue. Certains estiment que non, on ne devait pas mettre telle catégorie de personnes, ainsi de suite. Il y a un organe central de lutte contre l'enrichissement illicite qui est prévu dans ces nouveaux projets. Certains estiment que ce serait une structure de trop. Certains estiment que non, bon, si elle est bien gérée, ça, elle peut avoir sa place. Donc, il y a également un autre souci qui a été exprimé. La déclaration des biens va au-delà de la personne elle-même.
Le ministre de l'Équipement et des Transports a lancé ce jour les travaux de la route Kenyeba-Fadougou-Falea, une route qui devrait aider à désenclaver les 12 communes rurales de Kenyeba. Mamadou Hakim Koumaré était accompagné d'une forte délégation d'experts, de contrôleurs des routes et des élus de la nation. Envoyés spéciaux, Mariam Sagara et Aliou Touré. L'un des plus grands rêves des 21 villages de la commune de Falea se réalise enfin. Le ministre Koumaré a procédé au lancement des travaux du tronçon Kenyeba-Fadougou-Falea frontière guinéenne de la RN2 et la mise en eau du BAC, un enjeu gouvernemental qui sortira 17 000 habitants de l'obscurantisme, de la pauvreté et de l'enclavement. Cette route, on aurait pu la faire depuis longtemps. C'est comme pour nous, on avait mis la charrue avant le bœuf. On a mené le bac depuis 2005 et on est en 2014. Uniquement, on n'a pas pu le faire parce que la route d'accès de Kenyeba au lieu où le bac doit être n'était pas faite. On aurait dû commencer par ça. C'est pour ça que nous avons mis dans la priorité du département et selon les vœux du président de la République, dans le cadre d'accélérer le désenclavement, nous avons mis la priorité pour mettre le bac à Falea et la population de Falea, vous les avez vus, quel bonheur. Cette commune, complètement coupée des autres localités pendant l'hivernage, aura désormais des voies d'accès toute l'année. Un espoir qui n'a pas laissé les populations indifférentes. Nous sommes très heureux de l'excellente nouvelle de la construction de la route Kenyeba-Falea via Fekola et sa praticabilité en toute saison. La mise en eau du bac, bien sûr précédé par l'aménagement de la voie d'accès et l'acheminement du bac au fleuve. On pense que c'est déjà une grosse épine de moins et une victoire vraiment pour le service de l'équipement des transports. Et bien sûr, pour nous autres, en tant que représentants du peuple, qui voient vraiment les préoccupations des populations être prises en compte sur le champ, surtout quelque chose qui a duré pendant moins 10 ans et qu'en est rien de temps, que cela soit résolu. Vraiment, on s'en félicite. Le bac qui va relier Falea à Kenyeba a été livré à la commune de Falea au cours du Conseil des ministres depuis 2005. C'est cette année qu'il quittera le magasin des TP de Kenyeba pour les eaux de Falea. Et demain, Mariam Sagara reviendra sur d'autres aspects de cette mission du ministre Mamadou Hakim Koumaré. Véhiculer l'information sur la moralisation des examens à partir de cette année et échanger avec les acteurs et partenaires sur les problèmes de l'école en première région, ce sont entre autres les raisons de la mission du ministre de l'Éducation dans certains cercles de CAI. Au cours de cette mission, Togola Jacqueline Marinana a partagé ses ambitions avec les décideurs en vue de redonner au système éducatif toutes ses qualités. Envoyé spécial, Mamoro Sidibé, de Kenyeba à Bafoulabé en passant par Kita, les problèmes de l'école sont identiques. Insuffisance des salles de classe avec son corollaire d'effectifs pléthoriques, insuffisance de personnel enseignant bien formé, manque d'eau potable dans certaines écoles, laboratoires mal équipés, on en oublie volontiers. L'école malienne est bien malade, il faudrait une synergie d'action pour la guérir, dira Madame le ministre de l'Éducation. Le programme intérimaire que le département a élaboré en attendant le prochain PRODEC prend largement en compte le volet formation et la construction d'infrastructures. Je voudrais également dire un mot sur les prochaines évaluations, leur gestion. Les collectivités à travers les maires, les conseillers de cercle sont tous impliqués dans leur organisation. Et je mets chacun devant ses responsabilités. Cette année, nous voulons des examens propres. Les pratiques en cours que vous connaissez et que je connais, nous voulons les faire cesser. Parmi les problèmes rencontrés, l'état du lycée de Bafoulabé a bien retenu l'attention du ministre. On ne peut plus continuer d'envoyer des enfants dans les écoles mal construites qui ne sont pas aux normes, qui n'offre aucune garantie aux enfants. En rappelant aux acteurs la gestion de l'école en mode décentralisé,
Le ministre a mis les collectivités et les CGS devant leurs responsabilités. Je m'engage au nom de la mairie et au nom de la municipalité pour les petits problèmes dont l'électricité, l'eau et l'électricité, ça c'est des problèmes que nous pouvons trouver leur solution au niveau de la mairie. Dans la capitale de l'Arachide, Mme Tokola Jacqueline Marie Nana a remis un carton de jouets au jardin d'enfants Les Papillons avant de visiter l'Institut de formation des maîtres en chantier de construction. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage lui aussi pour une école malienne plus studieuse et performante. Maître Muntagatal était en deuxième région où il a visité jeudi dernier les infrastructures de l'IPR IFRA et a échangé avec les dirigeants et les enseignants de l'Institut. C'était pour voir comment améliorer les résultats et les capacités de la dite école. ORTM Koulikoro, Brahima Kone. En visitant les laboratoires, le campus et autres infrastructures de l'IPER-IFRA, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut s'enquérir des difficultés auxquelles cet institut est confronté. L'IPER-IFRA est perçu comme un modèle à travers les résultats et ses capacités opérationnelles en matière de formation et de recherche. Ses responsables se félicitent de ne pas connaître d'années académiques tronquées. Nous sommes le premier et pour le moment le seul établissement d'enseignement supérieur au Mali exclusivement dédié à la formation agro-silvopastorale. Donc tout a commencé en 1965 avec deux cycles de formation, cycle technicien et cycle ingénieur. Ma visite m'a permis de tirer deux conclusions. La première, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de l'école du Mali. Ici comme ailleurs, il y a des problèmes d'infrastructure. Mais la seconde conclusion, c'est que l'école malienne a aussi ses succès. Nous avons vu ici des chercheurs, des enseignants absolument dédiés à leur tâche. Des laboratoires qui fonctionnent correctement. Mais tout cela procède de deux choses. La gestion en bon père de famille d'une part et aussi la volonté de faire de l'école du Mali un centre d'excellence. Après la visite des locaux, le ministre Tall a tenu une réunion avec les dirigeants et les enseignants de l'IPER-IFRA. C'était une occasion de parler des conditions de vie et de travail du personnel et de présenter l'établissement. L'IPER-IFRA compte aujourd'hui 1333 étudiants en provenance d'une douzaine de pays et 150 enseignants. Sur un tout autre sujet, parlons sécurité. La deuxième réunion du secrétariat technique du mécanisme de coordination des stratégies Sahel souhaite que les énergies convergent vers une plus grande sécurité au Sahel. Cette deuxième réunion était placée sous la présidence conjointe du haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest. Le reportage de Alousseni Touré. Comment réussir à mettre en commun les moyens des États et de la communauté internationale pour endiguer les menaces à la sécurité commune? Voilà l'exercice auquel s'attaque le secrétariat technique d'appui à la plateforme ministérielle de coordination pour le Sahel. Notre travail est de grande importance. Nous sommes la cheville ouvrière. Et je voudrais saisir l'occasion pour dire que la MISAHEL se trouve vraiment engagée pour que cette coordination le travail de mise en commun de moyens intellectuels, techniques, financiers, si c'est possible, pour que ce projet réussisse. Quant au représentant des Nations Unies, il a trouvé opportune cette réunion qui, sans nul doute, réussira à mobiliser la communauté internationale. Je souhaite mettre deux questions sur la table. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut mieux communiquer afin de continuer à mobiliser l'attention et les ressources de la communauté internationale. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut fournir le meilleur input stratégique aux plateformes ministérielles d'une façon qui corresponde à la capacité, le mandat et la complémentarité de toutes les organisations présentes ici. Déjà, la constitution du G5 est un pas dans la bonne direction. Je tiens à réaffirmer ici toute l'importance que les plus hautes autorités du Mali attachent aux stratégies Sahel
Et en cela, l'appui du secrétariat me paraît précieux, et alors très précieux, au moment où la présidence malienne de la plateforme aborde une nouvelle étape de son mandat avec la mise en œuvre de sa feuille de route. Le secrétariat permanent se réunira une fois par mois sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine. De la sécurité, nous passons à la justice. La coalition malienne pour la Cour pénale internationale souhaite aider le Mali dans sa phase de réconciliation. Tous les crimes commis sur les paisibles populations ne resteront pas impunis. Ces propos sont de la présidente de cette coalition qui a animé une conférence de presse hier au CICB. Elle est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Après avoir tenu un atelier d'appropriation du statut de Rome, la Cour pénale internationale et la coalition malienne pour la Cour pénale internationale CMCPI ont organisé cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale sur les dispositions qu'elles vont entreprendre pour aider 9 pays à harmoniser leur statut juridique. Le Mali a ratifié cet instrument juridique depuis 2001 et aujourd'hui, en tant qu'État parti, membre de cette institution, et avec tout ce qui s'est passé dans notre pays, nous avons donc mis en place cette structure de société civile pour accompagner la mise en œuvre de cet instrument dans notre pays. En tant que société civile, la CMCPI va aider le Mali dans sa phase de réconciliation, a fait savoir sa présidente. Les journalistes ont cherché à comprendre pourquoi les dirigeants africains sont les seuls à être transférés devant la Cour pénale internationale alors qu'il y en a d'autres hors de l'Afrique qui ont commis des crimes contre l'humanité et ils ne sont pas inquiétés. La règle de base, c'est que la Cour pénale internationale est une juridiction subsidiaire. La Cour pénale internationale ne devrait jamais se saisir de ces cas si les dirigeants africains eux-mêmes n'avaient pas déféré ces personnes. Prenez tous les cas qui sont déférés à la Cour, vous n'en trouverez que un ou deux qui ne soient pas venus des États eux-mêmes. S'agissant des crimes commis au nord du Mali, la présidente de la CMCPI dira que justice sera faite. Pour cela, il faut aller vite afin que les preuves contre ces criminels ne disparaissent pas. Une conférence débat sur les défis du Mali d'aujourd'hui a retenu l'attention des étudiants en droit. C'était hier, naturellement, à la faculté de droit. La conférence entre dans le cadre de la célébration de la Journée de l'Europe. Lamine Keïta. D'entrée de jeu, le conférencier a fait un bref rappel historique des événements vécus par le Mali durant la période de la crise 2012-2013. Ces événements ont plongé notre pays dans une crise qui a pu être résolu grâce à la communauté internationale, notamment l'Europe. Le bilan est globalement négatif pour le Mali, selon les conférenciers. En ce qui concerne le bilan, en le faisant, on peut dire la première chose qu'on peut souligner est que nos forces de défense n'ont pas tenu devant les agressions du MNLA et des djihadistes. Les raisons, elles peuvent être multiples. Elles peuvent être liées à la motivation, au moral, à l'équipement, à la nature du terrain, à la nature de la guerre qui se livrait, mais en gros, ce qu'on constate, c'est que nous avions très peu d'aptitude à ce combat-là et nous ne pouvions donc pas le gagner. S'agissant des défis, ils sont nombreux à relever, à en croire les conférenciers. On peut noter, entre autres. De tous les défis que nous avons, celui qu'il faut le plus rapidement réussir, c'est celui d'une armée républicaine, d'une armée bien formée. Il faut que culturellement nous changions, il faut que nous acceptions effectivement qu'au plan éthique et moral, il y a des défis que nous devons relever. Et ces défis, c'est celui du respect du bien public, c'est celui de l'intégrité, et donc c'est la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, l'usage le plus rationnel possible des ressources que nous avons. Et c'est ça qui est effectivement mis sous le chapeau de la transition culturelle et politique. Certains participants ont également souligné les défis de la restauration de l'autorité de l'État et celui de la reconstruction. Bamako abrite depuis hier une session internationale des ingénieurs organisée par la Fédération internationale des ingénieurs Conseil. Cette rencontre regroupe plus d'une vingtaine de Maliens et de Burkinabés. Il s'agit de renforcer les capacités des participants dans l'élaboration des contrats internationaux et dans l'utilisation pratique des 10 contrats. Garibou Pérou. Je peux par exemple
Respecter les contrats conformément aux normes internationales est quasiment indispensable dans les métiers de l'ingénierie. Jamais organisée au Mali, cette session approche les modèles de clauses que rencontrent habituellement les ingénieurs dans les projets de construction. Une formation sur ces modèles de contrats, c'est juste une adaptation d'un savoir-faire qu'ils ont déjà fortement sur un autre type de modèle de contrat. Mais les bases, j'y reste de toute façon complètement là. C'est juste simplement un autre cadre administratif de travail. Certes, les participants sont expérimentés dans la gestion des contrats de construction. Mais pour Gérard Kouassi, ces modèles de contrats sont bien ficelés. Ils protègent les maîtres d'ouvrage. Ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est dire que le contrat FIDIC protège non seulement le maître d'ouvrage, mais aussi protège l'entreprise. Aujourd'hui, la gestion des projets est plus que d'actualité. Et donc cette formation vient à point nommé pour outiller nos membres dans la gestion courante des projets qui sont en cours. Et vous savez aujourd'hui que l'Union européenne, en tout cas les barres de fonds, ont déjà préparé environ 3 000 milliards de francs CFA. Et donc nous nous préparons à cette gestion. C'est le lieu de remercier et vraiment le FAFA pour l'appui constant qui ne cesse de porter à l'EICM et peut-être même au-delà. La Fédération internationale des ingénieurs conseils regroupe aujourd'hui plus d'une centaine de pays. Le Mali est affilié à cette fédération depuis 5 ans. La place honorable qu'il occupe lui permettra d'abriter en 2018 la conférence internationale de la fédération. Avec la refondation de l'État, il s'agit de s'approprier de tels outils pour l'exécution correcte des projets de construction. En 5e région, le gouverneur vient de boucler la première phase de sa tournée de prise de contact qu'il a conduit dans les cercles de Ténénkou, Yuwaru et Douansa. Tout au long de la tournée, il a été question de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion des affaires publiques et de réconciliation. Reportage de Yacouba Maïga. La crise politico-sécuritaire est aujourd'hui un triste souvenir dans les cercles de Ténénkou, Yuwaru et Douansa. L'heure est plutôt à la reconstruction et à la réconciliation des cœurs et des esprits. C'est justement pour manifester l'engagement des plus hautes autorités à accompagner les populations et les administrations locales dans le processus de stabilisation et de développement que le gouverneur de la région de Mopti a entrepris ses périples. Les questions de sécurité ont dominé toutes les étapes, mais nous avons réussi aussi à passer les messages relatifs à la réconciliation. Il faut savoir pardonner et avancer. Tel est le message clé du président de la République. Partout où nous avons passé, nous l'avons diffusé et nous avons demandé aux différentes autorités de continuer à le cultiver. S'agissant de la réconciliation dont il a été surtout question au cours de ses périples, un pas important vient d'être franchi en la matière à l'image du cercle de Ténénkou où plus de 100 familles de nos compatriotes déplacés ont volontairement signé leur retour dans la commune de Kariri en provenance de la Mauritanie. D'autres sont en train de se préparer. Nous-mêmes, nous sommes prêts. En ce qui concerne ce second groupe, dès qu'ils sont annoncés, je me déplacerai personnellement pour les accueillir. Sur place, dans les 3 localités, en plus des échanges sur les préoccupations majeures des populations, le gouverneur Kamankane a visité certaines infrastructures réalisées dans le cadre du programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord. À Tombouctou, les forces armées de sécurité, les transporteurs et les opérateurs économiques s'associent pour mieux combattre l'insécurité. Ils viennent d'initier un cadre de concertation afin de mieux partager l'information et dénoncer tout cas suspect. Yaya Tandina. La reprise des activités économiques est une réalité aujourd'hui à Tombouctou. Quant aux forces de sécurité, elles veillent au grain et suivent de près les mouvements des commerçants et transporteurs. C'est dans cette optique que les autorités régionales et les forces armées de sécurité ont tenu une rencontre avec les responsables de ces deux structures. Nous avons du moins fait cette rencontre avec les opérateurs économiques accompagnés de la jeunesse pour que les forces de sécurité soient au service de cette nation. D'abord, ça a permis de briser la glace entre la population et son armée. Et les gens ont réellement posé des questions. Ils sont vraiment dévoués pour nous aider à accomplir la mission que nous avons dévouée. Transporteurs et commerçants se sont engagés à collaborer sans relâche avec les forces de sécurité pour un environnement plus enviable. Nous, on a déjà pris le devant par rapport à cette situation parce qu'on a sensibilisé nos opérateurs économiques pour leur dire que tout ce qu'ils voient de suspect, ou bien tout ce qu'ils constatent d'anormal
de nous informer. Nous, on va informer les forces de sécurité. À partir d'aujourd'hui, il y a un engagement formel entre nous et l'armée. Donc maintenant, nous respectons notre engagement. Ça, c'est sûr. On va le faire. Chaque fois qu'on rencontre des choses suspectes, on va téléphoner à l'armée. Maintenant que l'armée nous a donné le numéro vert. Les participants ont demandé aux initiateurs de multiplier ces genres de rencontres, gages de sécurité et de paix. 11e session du conseil d'administration de l'hôpital Angadumbo Moulay Touré de Gao. Cette première session post-crise s'est prononcée sur l'avenir de la plus importante structure sanitaire de la région. Le reportage de Daouda Zoumana Traoré. Ce sont des administrateurs déterminés à relancer les activités de leur structure qui ont participé à cette 11e session du conseil d'administration de l'hôpital Angadumbo Moulay Touré de Gao. Durant la crise, l'hôpital a fonctionné tant bien que mal grâce à la synergie d'action du cadre de concertation de l'association humanitaire de Gao et du comité international de la Croix-Rouge. Le président du conseil d'administration a apprécié les actes posés par ces entités en faveur des patients désemparés en des moments et leur a rendu un hommage au nom de toutes les communautés de la 7e région. Les conséquences de la crise ont beaucoup joué sur le fonctionnement normal de l'hôpital régional de Gao. Notre hôpital manque d'équipement et de médicaments. Cet état de lieu non réalisant ne doit pas nous amener à perdre de vue l'importance de cet hôpital, compte tenu de son rôle et de sa place dans l'architecture sanitaire au niveau de la région de Gao. Après plusieurs échanges et réflexions sur les points inscrits au programme de cette 11e session, les administrateurs ont élaboré un plan opérationnel qui prend en compte tous les aspects de développement de l'hôpital de Gao. D'ores et déjà, l'hôpital compte appliquer le tarif normal de ses prestations dans le but de réhabiliter certaines infrastructures en mauvais état. Il s'agit surtout de restaurer la tarification en vigueur, n'est-ce pas ? Et deuxième recommandation importante, il s'agit d'aller vers le démarrage des activités du laboratoire et de la formation hospitalière. Notre partenaire également est là, qui est l'État, qui va nous appuyer certainement dans le cadre des subventions. Au terme des travaux, les administrateurs ont recommandé la dotation de l'hôpital en personnel, en matériel et équipement de travail et en médicaments. Cette session a vu la participation d'une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Trois communes de la région de Kidal viennent de bénéficier d'un tout nouveau projet dénommé « Projet d'appui à la cohésion sociale et au renforcement du dialogue national ». Un projet financé par le PNUD à travers l'ONG EFAD qui souhaite créer un cadre de dialogue entre les différentes couches des zones concernées. De Kidal, le reportage de Fousséni Tonkara. La commune urbaine de Kidal, celle de Tessalit et d'Aguelok, sont les bénéficiaires de ce projet. D'une durée de 4 mois, ce projet d'appui à la cohésion sociale et le renforcement des dialogues nationaux dans la région de Kidal est financé par le PNUD à hauteur de 14 millions de francs CFA. La mise en œuvre est assurée par l'ONG EFAD, c'est-à-dire éduquer, former les femmes et un appui au développement de la région de Kidal. Le lancement des activités du projet d'appui à la cohésion sociale et le renforcement d'un dialogue national dans la région de Kidal permettra d'enclencher une dynamique de cohésion sociale intra- et intercommunautaire. C'est le lieu et l'occasion pour les acteurs impliqués d'impulser des réflexions dans le cadre de la stabilité et de la tranquillité des populations. Le lancement de ce programme fédérateur s'est déroulé en présence des autorités administratives, la société civile ainsi que le représentant de la MINUSMA. Ces différentes personnalités ont même apporté leur assistance au projet en formulant des recommandations allant dans le sens de l'objectif du programme. Cet objectif n'est autre que la recherche de la paix et la cohésion sociale par le dialogue. Chacun de nous a besoin de ce dialogue intra- et intercommunautaire qui permettra, j'en suis sûr, au retour de la paix et de la tranquillité dans notre région. Quelle que soit la guerre que nous allons mener, quel que soit le combat que nous allons mener, un jour on finira par cette table-là, nous asseoir et discuter. Dans les jours à venir, la même activité se déroulera dans les autres communes bénéficiaires du programme, notamment Aguelok et Tessalit.
Culture à présent, jeunesse et festival, ça donne Fest Jeune. Ce festival pour les jeunes, on est à sa 5e édition qui a été lancée hier, organisée par l'association d'Aba Modibo Keïta. Ce festival vise à sensibiliser, éduquer les jeunes pour prendre conscience des défis du moment. Le reportage de Mohamed Ould Mamouni. Aux berges du fleuve Niger, le FestiJeune a pris son carte générale pour célébrer la jeunesse. Ce rendez-vous du donner et du recevoir se veut un cadre propice au plein épanouissement de la jeunesse. Par cette initiative, les organisateurs veulent ramener les jeunes autour d'un idéal, la paix et la réconciliation nationale. L'objectif que nous visons, c'est réellement de susciter une prise de conscience de la jeunesse, de vraiment pouvoir amener les jeunes à s'engager à construire le Mali. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre des festivités. On peut citer entre autres une conférence débat sur le thème « Rôle de la jeunesse sur le processus de la paix et de la réconciliation nationale au Mali », un défilé culturel, des prestations sportives et des animations musicales. Cette cérémonie de lancement a reçu la visite surprise du ministre de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne. Il n'y a pas de quoi être surpris. Je suis ministre de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne. Et lorsque vous parlez de Aba Modibo Keïta, pour moi, en tant que Malien tout court, je suis fier. Et je dis, ce n'est pas tous les jours que le Mali a la possibilité ou l'honneur d'avoir un champion du monde. L'initiative, elle est bonne et salutaire. Aujourd'hui, il s'agit de promouvoir une certaine émulation au sein des jeunes, une saine émulation, et que les gens sentent que l'esprit de performance doit prévaloir et que même à travers les activités festives, on peut mobiliser autour justement des concepts de citoyenneté, des valeurs qui font notre République. Les festivités du FestiJeune se poursuivent jusqu'au dimanche prochain au bord du fleuve Niger à Kalabankoro. Je voulais annoncer dans les titres, le ministre des Sports se dit déterminé à résoudre pour de bon la crise qui secoue le monde de l'hippisme. C'est pourquoi le département a décidé de dissoudre toutes les instances de discipline. De ce fait, un comité transitoire dirigera les activités jusqu'à l'élection du nouveau bureau fédéral. Le ministre des Sports l'a fait savoir au cours d'un point de presse suivi par notre reporter Abdelkarim Kaba. C'est après différentes rencontres avec tous les acteurs que cette décision a été prise par le département des sports. Pour Ousseyne Amion Guindo, c'est la meilleure manière de pacifier ce monde. Les querelles de personnes au sein de la Fédération malienne de hippisme sont telles que toute solution amiable relève de l'illusion. C'est pourquoi je m'appuie sur l'article 49 du décret numéro 98-215. PRM du 2 juillet 1998 régissant les activités physiques et sportives pour retirer à la Fédération malienne de hippisme le mandat de gestion que le département des sports lui a tacitement confié. Dans les jours prochains, je nommerai avec le concours de toutes les bonnes volontés un comité provisoire qui gérera les instances et activités hippiques jusqu'à l'installation d'un nouveau bureau fédéral. Pour le bon déroulement de la mission du collège transitoire, le ministre Ousseyne Amion Guindo n'est pas allé avec les deux de la cuillère. Le champ hippique appartient à l'État. C'est sur un titre foncier de l'État. Donc, quand l'État reprend ses droits, on ne peut pas empêcher la course ailleurs. Mais quand l'État reprend ses droits à ce niveau, donc il est très difficile pour aussi une ligue de se mettre en porte-à-faux avec les décisions de l'État. Cette décision est la bienvenue pour la bonne marche du champ et de la course hippique. Il a eu la clairvoyance, il a eu le courage de trancher. Trop c'est trop, il y a une situation qui était là en train de couver... parce que tout simplement, les uns et les autres n'arrivaient pas à prendre de décision. Lui a pris ses responsabilités et a décidé de mettre fin au mandat du bureau sortant. Ce n'est que salutaire. Et il nous a demandé, nous autres, qui avons mis en place un bureau le 8 mars, légitimement, conformément au texte de la Fédération, de bien vouloir sursoir à ce pouvoir pour que l'apaisement puisse venir au niveau du champ épique de Bamako.
Pour la prise et l'application de cette décision, le ministre a été un peu plus clair. Tout cela pour pacifier et sécuriser les champs hippiques et pour la bonne marche de l'hippisme malien. Restons dans le monde sportif, football à présent avec cette bonne nouvelle. Au deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, les Aiglons du Mali ont réalisé une excellente opération cet après-midi à Ouagadougou au Burkina Faso. Ils se sont imposés 3-0 face donc aux étalons juniors du Burkina. Les 3 buts ont été marqués par Saliou Guindo. Le match retour est prévu dans 15 jours ici même à Bamako. Voilà, bravo aux Aiglons. Sur le plan national, toujours en football, championnat national, donc 18e journée, le CSK a battu la Somme 2-1. C'était hier au compte de la 18e journée jouée au stade Omnisport Modibo Keita. Le reportage de Assa Soumari. Après son nul lors de la 17e journée face à l'AS Real 0-0, le CSKA en jaune vient de conforter sa position en dominant l'équipe de Misra 2-1. Pour cette 18e journée, ce sont pourtant les pensionnaires de Misra qui dominent les premières minutes. Les Oranges ouvrent logiquement le score, plus précisément à la 18e minute, par le latéral gauche Mamadou Koïta. 1-0 pour la Somme. Les centristes de Salif Keïta vont courir derrière l'égalisation. C'est à 2 minutes de la fin de la pause que Boubacar Keïta marque le but égalisateur pour son équipe. 1-0 à la pause. Après la mi-temps, des changements s'opèrent de part et d'autre. C'est ainsi qu'à la 64e minute, le nouvel entrant Aboubacar Tungara sera fauché dans les 18 mètres et pénalty pour le CSKA. Mamadou Diawara se charge de la conversion. 2-1 pour le CSKA qui prend les 3 points. Les centristes renouent ainsi avec la victoire après 2 matchs nuls d'affilée. On avait l'esprit de gagner ce match pour nous relancer dans le championnat. Vu l'objectif qu'on s'est fixé, on s'est dit qu'il ne faut pas perdre un tel match. Donc pour relancer le championnat, il fallait coûte que coûte gagner. Et pour gagner, il fallait égaliser d'abord. C'est des erreurs défensives qu'on a beaucoup écopées, donc on va corriger dans les jours à venir. Et le match était à notre portée. Ils se sont laissés faire, donc je pense qu'il y a eu un manque de concentration et on va travailler. Inch'Allah. Avec cette 2e défaite de suite, la Somme reste bloquée à 21 points alors que le CSKA monte provisoirement à la 8e place avec 24 points. Demain, 11 mai, cela fera 59 ans que disparaissait Mamadou Konaté qui a consacré sa vie à la cause de l'émancipation de sa patrie, le Mali. Comme chaque année, sa famille, ses proches et ses compagnons se souviennent. Pour immortaliser sa mémoire, les parents, amis, sympathisants de la famille Mamadou Konaté sont invités à s'associer à la lecture du Saint-Coran qui aura lieu demain, dimanche 11 mai à 16h dans la grande famille Konaté de Bamako. Coura. Ce journal s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, à 12h, retrouvez Ibrahim Adjambélé dans Actu Hebdo. Ibrahim Adjambélé qui recevra donc le directeur général de l'APEJ et le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Et juste après, vous retrouverez Mohamed Touré pour l'édition de 13h. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve dans celle de 20h. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments sur l'ORTM. De Kakadoye, Auka Kumbe, Kumechugunimana, Orange Fin, Futaratado, Mekalo Kletan Saba, Samba Flantanani, Aye Orange Piscina Active, Kaule Likilinke, Amewaki.